Bonsoir Montreux, ça va? Changer. Je suis super content d'être là. Moi, j'ai calculé ça, là, ça fait 8 ans que je fais ce métier. 8 ans que je fais du stand-up, j'ai l'impression d'avoir niqué le système, je vous jure, c'est un truc de ouf. Je fais rien. Tous les jours, il faut que je me réveille plus ou moins avant 19h. Ensuite, je vais dans des comedy clubs ou pire, tu vois. Genre là, on m'a payé un train pour venir ici, ils m'ont filé un hôtel. Ensuite, je monte sur scène, je raconte que j'ai rien fait. Et en sortant, il me paye, gros. Chaque fois, je suis ému presque. Genre, le soir, quand je me couche, je suis là, bon, apparemment, personne s'en est rendu compte. Moi, je continue, je m'en bats les couilles. 8 ans que je fais ça, je le jure. Je me suis rendu compte si je voulais raconter ça. Genre, aujourd'hui, là, je cherchais un truc à regarder sur Netflix. Parce que j'ai presque fini Netflix. Il me reste très peu de trucs à mater, là. Et je suis tombé sur une télé-réalité. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ici, c'est un truc qui s'appelle Too Hot to Handle. Ah, c'est le nom, non? Ok, spoilez pas pour les autres. J'ai regardé ce truc, j'ai pété un câble. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est Netflix qui met 5 mecs méga sexy sur une île. Tu vois, mec torse nu, ils arrivent genre « Waouh, t'as des tattoos, man. Ouais, cool. Toi aussi, t'as des tattoos. Yeah, moi, je suis là, genre... » Ils rajoutent 5 meufs méga sexy. Ils sont là « Ah, vous avez des tattoos !» et tout. C'est un truc. Et là, Netflix, ils annoncent la règle. Et la règle, c'est qu'ils ont pas le droit de ken entre eux. Et pour un mec comme moi, t'es un peu genre « Tu vois, genre, il y a un petit truc... C'est cool. » Mais eux, ils le vivent vraiment très très mal. Genre, au premier épisode, il y a un mec qui pleure, gros, genre, ils fondent en larmes. Genre, alors, non, non. Et je dois vous avouer, moi, c'est un truc que je comprends pas trop, parce que honnêtement, moi, tu me mets sur une île, ok, avec 5 meufs méga sexy, tu me dis, par contre, Rémi, attention, hein, vous avez pas le droit de ken. Genre, oui. Comme d'habitude, en fait, genre, vraiment, c'est des vacances que vous me proposez, en fait, là, genre. J'ai du mal, tu sais, avec cette psychologie. En fait. Je te jure, c'est ouf. T'sais, en plus, ils leur disent, ouais, si vous baisez pas, on vous donne 100 000 balles. Et j'ai genre, c'est gagné, du coup. Genre, qu'est-ce qu'il vous faut de plus Qu'est-ce qu'il y a ça? Truc de ouf, tu sais. En fait, cette psychologie, tu vois, de vouloir ken tout le temps, je trouve ça étrange. Et je trouve que c'est que dans les télé-réalités où les gens, ils veulent tout le temps baiser, tout le temps. Moi, je connais pas des gens qui sont comme ça, tu vois. Enfin, je dis ça, moi, j'aime bien le sexe et tout. C'est vraiment sympa. Hein. C'est une activité cool, tu vois, genre. Vraiment sympa. Mais. Je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais moi, je suis un peu toujours déçu par l'orgasme. Tu vois, ça, vous les meufs, peut-être vous savez pas, mais l'orgasme masculin, c'est un peu décevant, quoi. Genre, c'est... Même si c'est sympa, hein, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Je regardais sur Google, en moyenne, ça dure 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes. C'est pas un truc de ouf. Tous les trucs qu'on fait avant, les saluts, ça va et tout. 3 secondes, les gars, à la fin. Ouais. C'est 3 secondes qui sont un peu mieux que la vie, tu vois, mais c'est pas ouf, tu vois. Vous, les meufs, ça a l'air excellent, quoi, il y a un vrai délire, tu sais. Vous êtes là genre « Ouais, je sens plus mes jambes !» Moi, je sens grave mes jambes, hein, je l'ai. T'sais. Moi, si je ken et je sens plus mes jambes, j'appelle les pompiers, c'est tout ce qui se passe après. C'est con. Là, avant de venir, en Suisse, il m'est arrivé un truc un peu rigolo, là, J'ai dû faire une fibroscopie. Je sais pas si les gens qui savent ce que c'est une fibroscopie, c'est quand on te met une caméra dans l'estomac. C'était assez marrant. Mon médecin il m'a dit attention, c'est sous anesthésie générale. Du coup, il faut aller voir un anesthésiste. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais moi, je fume un peu de weed. Et je sais, j'avais l'air studieux jusqu'à là. T'sais. Et il y a un truc qui sait entre fumeurs de weed, c'est que quand tu te fais opérer, il faut toujours leur dire aux anesthésistes que tu fumes un peu, parce que sinon tu peux te réveiller pendant l'opération. Tu vois, j'étais pas chaud du tout. T'sais. Du coup, mon anesthésiste, dès que j'arrive, je lui fais écoutez. Il faut que je vous dise quelque chose. Moi, j'aime bien la drogue, tu vois. C'est honnête. Et le mec, il me regarde comme ça, il fait « Moi aussi !» C'est vrai que j'avais pas pensé, mais putain, c'est un truc... Ouais, les mecs, ils aiment tellement la drogue, ils en ont fait un métier, tu sais. Leur métier, c'est de défoncer des gens, c'est ce qu'ils kiffent faire. T'sais. Tous les jours, ils sont là « Bonjour, vous pesez combien, vous, 70 kilos ?» Je vais vous mettre bien, n'inquiétez pas. Kiffer. Et je lui dis « Bon, bah apparemment, vu qu'on a des passions un peu communes... Qu'est-ce qu'on peut tenter, tu vois? Qu'est-ce que vous pouvez mettre comment vous allez me charger, tu vois? Et le mec, il me dit, ouais, en ce moment, voilà, on utilise du propofol. Et il me dit, je sais pas si vous connaissez le propofol, mais c'est la drogue qui a tué Michael Jackson. Il a dit comme ça, hein, qui a tué Michael Jackson. Il était fier, tu vois? Comme si c'était lui qui l'avait buté, tu sais, ferme ta gueule! Et je vous jure, j'ai réagi un peu comme un sommelier, tu sais. Genre, il m'a dit ça, j'ai regardé, j'ai fait, Michael Jackson, me dit, tu vois. Et tout de suite, il y a un truc un peu sexy, tu vois, que ça a tué une superstar. Voilà.
Du coup, moi, le jour de l'opération, je vous ai dit, je fais pas grand chose dans la vie. Le jour de l'opération, j'avais vraiment envie d'aller, quoi. J'avais envie de tester et tout. Je suis allé le matin comme un fou, comme ça, tu sais. J'arrivais à l'hôpital, j'étais jamais allé à l'hôpital avant. Et c'est formidable comme endroit. Tu sais, c'est vraiment un endroit où, tu sais, tous les gens s'occupent de toi et tout. Mais j'étais un peu ému par ça, tu sais. J'arrive, il y a une infirmière qui vient me chercher et tout. Elle m'amène dans une petite salle à moi et tout. Elle me dit, donc voilà, déshabillez-vous. J'étais genre, mon gars, chelou. Je commence à me déshabiller. Elle fait, non, mais attendez que je sorte de la salle. J'étais, oui, c'est première fois ici. Moi, me dit, fais un truc, je le fais. Je suis un peu courant. Je me dessave que ça, elle me dit « Ok, mettez ces fringues », et je m'habille avec les fringues de l'hôpital. Et peut-être vous savez, mais dans les hôpitaux, t'es habillé en papier. Genre, tes fringues, c'est du papier, gros. Genre, j'avais un poncho en papier, tu vois. T'es habillé en papier, t'sais, tous, on est habillé en papier, on est des gens de papier, comme ça, le peuple de papier, t'as les gens de tissu qui viennent et qui te donnent des ordres, t'es genre « Oui, oui, ce sera fait », tu vois. T'sais, parce que t'as pas envie d'ouvrir ta gueule quand t'es habillé en papier, tu vois. En plus, ils te laissent le cul ouvert, hein. Jamais ils disent pourquoi t'as le cul à l'air, mon gars. T'sais, t'as l'impression que si tu ouvres un peu ta gueule, tu seras « Qu'est-ce qu'il a dit, l'origami, là ? Viens là, là, viens là !» C'est un petit délire. Il y a une vibe. Il y a vraiment une vibe, c'est. Il y a l'infirmière qui vient me chercher avec un lit, comme ça. Elle me dit « Écoutez, monsieur Boy, montez sur le lit, je vous amène au bloc. » Je lui dis « Non, mais ça va, hein, c'est bon. Je sais que j'ai l'air un peu comme ça, mais je peux marcher, hein, ça va. » Et là, elle me dit une phrase, elle me dit « Ah non, monsieur Boy, en fait, dans les hôpitaux, on se déplace en lit. » Genre, même de le dire là, je veux dire, j'ai encore des frissons, je te jure. Ouais. Moi, je lui dis, écoutez, enfin, je sais pas si vous êtes. C'est un peu un rêve de gosse pour moi, on va dire, en train de se passer là. On se déplace en lit, je vais venir tous les jours, c'est un truc de ouf, tu sais. Je me fous dans le lit comme ça, je suis genre, ah, c'est pour ça qu'il découpe le cul, on est hier, tu sais. Je me entre tes petits draps là, tu sais. Commence à me pousser comme ça dans les couloirs et tout. Moi, je te jure, je vois les lumières qui passent comme dans les films, je suis genre, on est vraiment meilleure journée, je suis trop content. Et là, je croise l'anesthésiste, il me voit comme ça, tu sais, il me voit, et il me fait un clin d'œil. Alors, je suis genre, pff, là, on y est, là. Là, là, mon gars, il s'est dit, je vais le charger comme un cheval, le frérot. Il m'a fait, vraiment, il m'a fait un truc de genre, fais gaffe, peut-être tu vas te réveiller comme Michael Jackson, c'est sûr. Là, je suis genre, il y avait une vibe, tu vois. Il m'amène dans le bloc comme ça, tu sais, il me laisse au milieu comme une vache morte. Ça m'a toujours fait rire, ça. Tu sais, il te laisse vraiment comme ça, j'étais un peu sur le côté, j'attends. Il y a une infirmière qui vient, elle me met un tuyau dans le nez, elle me fait, donc voilà, monsieur Bayer. Vous allez voir, je vais tourner un petit peu ce bouton et vous allez doucement partir. Tu vas me parler un peu comme de l'ASMR, c'était un peu genre. Vous allez doucement partir, vous allez voir, c'est super agréable. Je dormais déjà, tu vois. Elle tourne le truc comme ça. Je me souviens, mon dernier souvenir de l'opération, c'est de voir un fou rire comment c'était sur l'infirmière, parce que le seul mot que j'ai réussi à prononcer pendant que je partais comme ça, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit plus. C'est bon, là. Merci, vous étiez super, merci beaucoup.